Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture où je vais vous parler de quatre lectures et aussi d'un abandon que j'ai fait aujourd'hui. Du coup, je vous l'inclus parce que comme il y aura un abandon dans le point lecture la semaine prochaine, je voulais pas faire trop d'abandon. Donc voilà. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit du Tueur au miroir de Fabio Amicelli, donc chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Ça a été une grosse déception pour moi. En fait, j'avais lu le premier tome, donc Une forêt obscure, en mois de février. C'est juste avant les Mines Noires où j'avais rencontré l'auteur. J'avais énormément aimé, c'était un gros coup de cœur pour moi, sachant que j'avais déjà eu un coup de cœur pour son premier roman publié qui était publié chez Midi, qui était La Compassion du Diable. Ici, on va retrouver le serial killer qu'on avait eu dans Une forêt obscure, dont Daniel Singleton, qui a fait quelque chose dans la fin du premier tome, et du coup, qui revient dans ce roman, qui est traqué par Carrie, qui est une des flics, qui est en duo avec Louise Beaulieu, qui est une fliquette badass, comme on adore. J'aime beaucoup ce personnage de Louise Beaulieu et aussi de Carrie. Moi, j'ai même une préférence pour Carrie par rapport à Louise, mais c'est mon choix, hein. Et donc ici, on va retrouver tout ce petit monde. On va aussi retrouver un nouveau tueur en série qui se fait appeler le tueur au miroir. C'est un photographe qui attire les stripteaseuses notamment chez lui pour faire des photos et ensuite il les viole, il les tue. Et pour sa signature, il leur découpe leurs tatouages pour les récupérer et il leur colle des débris de miroir sur leur sexe. Voilà, c'est assez glauque. Pourquoi j'ai été déçue? Parce que c'est sûrement ce qui vous intéresse. En fait, j'ai trouvé que Fabio Michelli prenait la même trame que Forêt Obscure. Donc, toutes les actions, plus ou moins, on les appréhendait. On voit vers le début que la mère de Louise lui cache un secret. Et je me suis dit, j'espère que c'est pas ça. Dès les, on va dire, 50 premières pages peut-être, on apprend qu'elle a un secret et forcément on sait qu'on le saura qu'à la fin, sinon le livre n'a plus aucun intérêt. Et je l'ai découvert tout de suite et je me suis dit, non, j'espère que c'est pas ça, j'espère qu'il va me surprendre parce que l'auteur arrive à nous retourner le cerveau, à nous happer dans son histoire. Et du coup, je me suis dit, non, à mon avis, c'est pas ça. Et j'ai été très déçue par rapport à ça. L'intrigue par rapport au tueur en miroir. Bah, ça m'a pas plus intéressé que ça parce qu'en fait je savais très bien comment ça allait se finir plus ou moins. Vraiment j'ai été déçue, j'ai trouvé que l'auteur a été dans une facilité de faire une suite de ce roman. J'ai été par contre ravie de retrouver le duo Carrie et Louise. Donc ça, pour ça, c'était le point fort de ce roman. En plus, bah, l'écriture est assez addictive, donc quand je me suis plongée dedans, j'allais vite. Mais voilà, j'ai mis du temps à lire, non pas parce qu'il était nul ou quoi, mais parce que j'appréhendais la fin. J'avais tellement peur d'avoir découvert un peu la fin. Alors j'ai pas tout découvert, hein. Il y a des choses, notamment vraiment l'épilogue, où j'avais pas forcément compris qu'il allait aller vers cette fin-là. Mais je suis dégoûtée. En fait, j'appréhendais énormément de faire cette chronique. J'ai attendu, attendu, attendu. Parce que je voulais pas faire une chronique négative. Alors, je pense que pour ceux qui ont aimé Une forêt obscure, il faut pas hésiter. Hein, faut y aller. Vous allez retrouver les personnages. Vous allez retrouver la plume de l'auteur qui est quand même très bien. Mais je pense que j'avais mis tellement la barre haute. J'attendais tellement ce roman depuis que l'auteur m'avait dit qu'il y avait une suite en février que, voilà, je pense que c'est ma faute, entre guillemets, d'avoir mis trop d'attentes sur ce roman. J'ai eu un coup de cœur pour La Compassion du Diable, j'ai eu un coup de cœur pour Une forêt obscure et je m'attendais à avoir un coup de cœur pour celui-ci. Cependant, ça a été une très bonne lecture quand même, mais je l'ai trouvé en dessous de ces deux autres romans, donc voilà. Je suis un peu déçue. Je suis déçue d'être déçue, en fait. Mais bon. En tout cas, si vous n'avez pas lu Une forêt obscure, je vous le conseille parce que c'est vraiment été l'un de mes coups de cœur. La preuve, je vous l'avais fait gagner. Pour les 2 ans de la chaîne, parce que vraiment c'était un très très bon coup de cœur du début 2017. Mais voilà, je pense que
Vous pouvez aimer, parce que moi je l'ai aimé, mais ne vous attendez pas à un coup de cœur comme ça a pu l'être pour La Compassion du Diable ou Une Forêt Obscure. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre, si vous l'avez lu en commentaire, si vous avez eu le même ressenti que moi ou pas, parce que ça se peut que ce soit juste mon ressenti, hein, donc du coup pour les autres, n'hésitez pas à commenter pour qu'ils puissent aussi voir votre avis. Donc voilà, j'arrête de parler parce que je m'enfonce plus qu'autre chose et on passe au roman suivant. Après ça, j'ai lu un esprit que j'avais lu sur Netgalley. Il s'agit d'un bref moment d'héroïsme de Cédric Fabre chez Plon dans leur collection 109. Ici, on va se retrouver à Marseille où il y a un phénomène étrange. En fait, dès qu'un élu prononce un discours, il y a des activistes qui l'empêchent et qui se battent. Un peu comme des flash mobs, mais des flash mobs de bagarre et de baston. Et en fait, du coup, c'est une équipe de plus ou moins acteurs qui se battent avec des passés plus ou moins douloureux. Et il y a Paolo qui est le créateur et l'inventeur de ce concept. Et Lang qui est le meneur du groupe. Et en fait, Lang va faire la rencontre d'Awa, qui est une jeune femme avec pas mal de souffrances, et elle va lui demander un service avec. En fait, elle va le rencontrer dans cette histoire d'activisme et de bagarre, et en fait, elle va lui demander de l'aider à récupérer la garde de son fils Arsène. Et donc, on va se retrouver dans un genre de fight club, comme il est écrit sur le résumé du livre. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui est très ancrée dans la réalité. Vous savez que j'aime beaucoup que les romans soient vraiment plus réalistes possible, surtout dans ce genre-là. Et on va sentir la souffrance de Lang, on va être très attaché au personnage. J'ai dévoré la première partie du roman, la première moitié. J'ai adoré, je pensais que ça allait vraiment être un coup de cœur. J'ai beaucoup beaucoup aimé l'écriture de Cédric Fabre. J'ai tout de suite été dans l'histoire, j'ai bien aimé aussi comprendre comment était né ce groupe d'activistes. J'ai bien aimé aussi l'histoire d'Awa, notamment le dénouement, en fait, le retournement de situation vers la fin, j'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé que l'histoire s'essoufflait un petit peu, alors pas dans la toute fin ni dans la première partie. Mais on va dire dans la bonne moitié, voire les trois quarts du roman. Voilà. J'ai trouvé un peu que l'histoire s'essoufflait, donc c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur. Alors après, je l'ai mis quand même 17 sur 20, donc c'est vraiment que ça m'a énormément plu. Je me renseignerai pour savoir, pour suivre en fait l'auteur, parce que j'ai beaucoup aimé cette écriture et ce réalisme. Voilà, c'est un roman assez brut, assez violent, mais qui est pas mal. Alors il y a des notions de terrorisme, d'activisme, de politique. Donc si c'est pas du tout ce que vous aimez, bah passez ce roman parce que c'est vraiment ça. Après, pour ceux que ça gêne pas, foncez parce que vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman. J'ai d'autres livres de cette collection puisque j'avais lu aussi. Le livre de Marie Vindy, je sais plus comment ça s'appelait, je vous le mettrai là. J'avais beaucoup aimé aussi dans ce sens-là. Alors j'ai beaucoup plus aimé Un bref moment d'héroïsme que le roman de Marie Vindy, mais j'aime beaucoup cette collection et je vais suivre de plus près parce que c'est vraiment des romans bruts comme j'aime. Et donc du coup, je vous le conseille. Je vous mets en barre d'infos la chronique écrite de ce roman. Mais en tout cas, n'hésitez pas à y aller et à foncer, en plus il est très rapide, donc je vous conseille Un bref moment d'héroïsme de Cédric Fabre. Ensuite, une autre déception, j'ai lu Lithium d'Aurélien Gougaud chez Albin Michel. Ce roman, je l'avais vu passer sur la chaîne d'Élise, des lectures d'Élise, il y a plus d'un an maintenant, parce que je pense que c'était pas cette rentrée littéraire, mais la rentrée littéraire de 2016. Ici, on retrouve deux jeunes gens, donc un homme et une femme, que l'auteur n'a pas décidé de prénommer, en fait, je pense que pour qu'on essaie de plus s'identifier au personnage. On a la fille qui a 23 ans, qui est un peu beaucoup paumée. C'est une enfant
comme moi, hein, de société de consommation qui est née là-dedans, qui est née aussi dans les réseaux sociaux, qui s'y est beaucoup perdue, qui ne pense qu'à faire la fête, qui se noie dans l'alcool et dans le sexe, et qui n'a aucune confiance en l'avenir, elle vit au jour le jour, elle ne pense qu'à faire la fête, et voilà, elle est un peu paumée. Et en parallèle de ça, on va suivre un jeune homme, qui se prénomme du coup Il dans l'histoire, qui lui a fini ses études, a un métier où il gagne beaucoup d'argent, il escroque même les gens. Parce que c'est plus un métier d'escroc qu'un vrai métier très loyal et respectueux. Et puis lui aussi n'a aucune confiance en l'avenir, il est perdu, il ne sait plus quoi faire. Voilà. Donc on va rencontrer ces deux jeunes qui sont dans une génération perdue, sans repère, sans espoir vraiment en l'avenir. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce roman, parce que je trouvais que c'était vraiment le reflet de notre société, le reflet de notre génération. Parce que du coup, c'est la génération 80 des années 90. Je pense que l'auteur a à peu près le même âge. Voilà, il a 25 ans. Donc maintenant, il doit avoir peut-être avoir 26. Mais voilà, c'est vraiment ce résumé qui m'intéressait. Et quand j'ai lu ce roman, alors il se dévore, hein, il se lit très très vite. J'ai été très mal à l'aise en lisant ce roman. Alors la plume de l'auteur, par contre, j'ai rien à dire. C'est plutôt pas mal. C'est des phrases assez courtes, assez incisives. Donc pour ça j'ai bien aimé le style de l'auteur qui correspondait à l'esprit de ces deux jeunes gens. Et il va aussi faire rencontrer ces deux personnages que voilà qui a pas mal de points communs, même si au premier abord ils sont quand même assez différents. On va voir que ils se ressemblent plutôt pas mal et ils vont s'aider dans leur quête de l'avenir et d'une vie meilleure. Mais j'ai été très mal à l'aise dans cette histoire et puis j'ai trouvé que je m'y reconnaissais pas forcément. Alors il y a des choses effectivement qui est plutôt notre génération, mais tous les jeunes des années 90 ne pourront pas se retrouver dans ce roman. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus basé sur l'argent et sur la catégorie plutôt des riches. Et j'ai trouvé ça dommage. En fait, à la limite, qui aurait fait les deux, à la limite, les catégories un peu opposées, pourquoi pas. Mais là, j'ai trouvé que c'était beaucoup le côté bourgeois, le côté. J'ai plus retrouvé les gens que j'avais connus au lycée, puisque j'étais dans un lycée privé où il y avait beaucoup, beaucoup de riches. Voilà. Et j'ai trouvé que dans ce roman, c'était plus des histoires, des problèmes d'enfants riches, d'enfants bourgeois, que d'enfants des années 90 perdus dans une société de consommation. Et voilà, on a quand même peu d'espoir, enfin, on a surtout peur de l'avenir en voyant tout ce qui se passe en ce moment, et j'ai trouvé que c'était dommage que l'auteur se fixe sur ça. Alors peut-être que c'est parce qu'il connaît, c'est ce qu'il connaît le plus, peut-être, je sais pas, je ne connais rien de l'auteur, mais de ce point de vue-là, j'ai été déçue. Alors c'est un roman qui se lit très vite. C'est un bon divertissement, mais je m'attendais à autre chose de ce roman. Peut-être comme Le Tueur au miroir, j'avais mis trop d'attentes sur ce roman. Mais voilà, je le garderai pas. C'était un divertissement, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. J'attendais à beaucoup plus, j'attendais à me reconnaître dans l'histoire, à être plus touchée par ces personnages. Et là, je suis restée complètement hermétique à ces deux personnages. Ensuite, j'ai lu le premier tome de la nouvelle saga de Mireille Jundir, donc Une grippe des jours, qui est après nous. Le premier tome s'appelle Au commencement, qui est publié chez Robert Laffont dans la collection R. Et là, très très bonne lecture. Alors, j'avais énormément aimé Caleb, enfin surtout le premier tome. J'avais un peu moins aimé le deuxième tome et très déçu par le troisième. Donc là, j'espère que ça fera pas pareil avec cette saga, parce que j'ai adoré ce premier tome, je l'ai dévoré. Dès que j'ai reçu ma confirmation de Netgalley comme quoi je l'avais reçu, je l'ai tout de suite lu. Et Jezebel a tout pour elle, elle a des parents aimants, elle travaille bien à l'école, c'est une bonne musicienne, elle a une voix hyper envoûtante. Et un jour, ses parents vont mourir dans un accident de voiture, et on ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle va se sentir responsable.
Et en voulant faire, enfin, en faisant des recherches, elle va essayer de, elle va se rendre compte qu'en fait ses parents ne sont pas ses parents, qu'elle n'a aucun acte de naissance et du coup elle va bah, chercher ses origines. Donc à travers ce roman, elle va, enfin, elle va changer de lycée puisqu'elle va être dans une, elle va être recueillie dans une famille d'accueil. Elle va être aidée dans sa quête de jeunes gens, Noah je crois et la fille j'ai oublié, je vous mettrai là. Et voilà, l'écriture est addictive, on ne peut pas lâcher ce roman, on est à fond dedans. Alors certes, il y a certains clichés du young adulte, mais j'ai trouvé que c'était comme Olivier Gay dans Le Noir est ma couleur. C'est qu'en fait, elle sait très bien que c'est un cliché, elle sait jouer de ses clichés. J'ai tout de suite accroché, j'ai beaucoup aimé, j'ai très hâte de découvrir la suite. Alors je sais qu'elle est seulement en train de l'écrire, donc c'est pas demain la veille qu'on aura la suite. Mais voilà, je vous conseille énormément. Si vous avez aimé Caleb, bah foncez, ne réfléchissez même pas, foncez sur la nouvelle saga d'Ingrid des Jours, de Mira Jundir plutôt, puisque c'est son pseudo pour le young adult. Et puis si vous voulez découvrir bah, Ingrid des Jours sur son côté young adult, je pense que cette saga est même encore mieux. Enfin voilà, j'ai bien bien aimé, on a ce côté fantastique. On a ce côté aussi assez, bah, assez réaliste, puisqu'au début, c'est quand même plutôt du réel avant qu'on parte à la recherche de ce qui s'est passé. Et puis, j'ai bien aimé aussi découvrir le secret de Jézébiel, puisque voilà, on ne sait pas tout, mais on sait une bonne partie. Et donc, voilà, je vous conseille beaucoup, 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 beaucoup cette saga que, voilà, je vous laisserai ma chronique aussi en barre d'infos. Et puis, du coup, avant de vous quitter, je vais vous parler de mon deuxième abandon de la semaine. Il s'agit de À l'ombre des cerisiers de Dorte Hansen, qui est édité chez Kerhaus. C'est un roman que j'avais eu en SP il y a plus d'un an et demi et que je m'étais décidée à le sortir. J'avais beaucoup aimé la couverture, c'est pour ça aussi que j'avais flashé. Et puis, le résumé me tentait plutôt pas mal, puisqu'on se retrouve au printemps 45. La petite Vera voit pour la première fois la vieille ferme perdue au cœur d'un immense verger. Sa mère et elle viennent de traverser à pied l'Allemagne en ruine. 70 ans plus tard, Vera, qui occupe toujours la maison, voit débarquer à son tour sa nièce Anne en pleine rupture amoureuse et son jeune fils Léon. Les deux femmes, fortes têtes et solitaires, seront-elles cohabiter, redonner à ces murs hantés par les chimères du passé? Pour cela, il faudra leur affronter une histoire familiale traversée de non-dits, apprivoiser les habitants du village qui ne manquent pas ni de caractère ni d'originalité. Voilà, c'est un phénomène en Allemagne puisque ça a été vendu à plus de 400 000 exemplaires. Et moi j'ai abandonné. Alors j'étais jusqu'au tiers à peu près. J'ai persévéré, je me suis dit bon, ça va passer, c'est le début, il faut que ça se mette en place. Et en fait, j'arrivais pas à retenir ce que je lisais. C'est surtout le style de l'auteur qui ne m'a pas plu. J'ai trouvé le style de l'auteur très lourd. Les phrases sont longues, mais il y a certaines phrases sur ma liseuse qui faisaient 4 à 5 lignes, juste pour une phrase. Et du coup, bah, à la fin de votre phrase, vous avez déjà oublié le début de la phrase. J'ai trouvé, alors c'était peut-être fait exprès, hein, ce côté très très long, très lent, mais voilà, j'ai pas du tout accroché au personnage de Vera. Elle m'a plus qu'énervée, je ne voyais pas l'intérêt de l'histoire. Je me suis dit, bon, pour ça, de toute façon, soit tu le finis, tu te forces à le finir et tu vas faire une chronique négative, soit tu t'arrêtes là et tu dis, tu préviens d'être galé comme quoi tu feras pas de chronique écrite parce que bah, t'as pas accroché quoi. Donc surtout que c'était le deuxième roman de la semaine où je m'ennuyais mais ferme dans ma lecture. Je sortais de deux très bonnes lectures et donc je me suis dit non, c'est bon, tu arrêtes là. On arrête le massacre. De toute façon, j'ai plein d'autres livres, donc ça sert à rien que je m'acharne. Je vais changer de lecture et ça ira beaucoup mieux. Donc, je tenais quand même à vous en parler dans une vidéo. Donc, c'est pour ça que je le fais à la fin de ce point lecture-là. Puisque, voilà, j'ai pas grand-chose à dire, mis à part que bah, je l'ai pas fini et que j'ai pas trop trop aimé. Mais voilà, en plus, en abandonnant ma lecture, du coup, j'ai été le signaler sur Livradict pour pouvoir mettre à jour mon compte et j'ai vu qu'il avait pas une très très bonne moyenne donc je me suis dit que j'étais pas la seule finalement à l'avoir abandonné donc ça m'a rassurée mais voilà je suis quand même assez triste parce que j'aime pas abandonner un roman mais là non c'était beaucoup trop de toute façon j'arrivais pas à suivre l'histoire j'arrivais pas à retenir en fait parce que les phrases étaient tellement longues que ça m'énervait je m'énervais toute seule contre mon livre il y a un moment voilà
Donc, plutôt mitigé comme point lecture, mis à part mes deux lectures en numérique que j'ai beaucoup aimées, sinon mes deux livres papier ont été plutôt mitigés, des bonnes lectures, mais sans plus. Et puis, bah, en abordant du coup pour clôturer ce point lecture. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, vous aurez un autre point lecture avec aussi un abordant, puisque j'ai fait une lecture commune avec Amandine. Et on a décidé, enfin, elle a décidé de continuer en diagonale, mais moi j'ai décidé d'arrêter parce que je n'en pouvais plus de ce roman. Donc je vous en parle la semaine prochaine. Et puis, vous aurez mon bouquin du mois de novembre, mercredi. Donc n'hésitez pas à surveiller la chaîne. Ça arrive très prochainement. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter si vous avez lu l'un de ces livres et que vous avez un avis différent du mien ou similaire. Et puis, surtout pour le tueur au miroir, n'hésitez pas à me dire si vous avez surtout le même avis que moi ou si c'est moi. Voilà, ça se peut hein, que tout le monde est rentré dedans sauf moi, mais en attendant, j'espère avoir votre avis. Et puis aussi pour Lithium, si quelqu'un l'a lu, n'hésitez pas à me donner votre avis, je serais très curieuse de lire votre avis. Voilà, on se retrouve très très bientôt pour le Book Haul et un nouveau point lecture. Ciao!